Mon pays qui est Marco en faillite. Même en termes de description pour la rivale, c'est un pays qui est en faillite. Et nous parlons nous compte de situation de faillite, non? Puisque élite pour qui fait réflexion sous situation ça, élite là lui-même, ils sont élites moribondes. Donc, c'est Radio, c'est Val, c'est Manon, c'est Marco, c'est GPPC qui pour venir avec des éléments pour sensibiliser la population, pour informer nous sous dans quel état de misère que nous y sommes. L'État en faillite, politique l'a échoué, et gouvernement qui l'a pas de résultat, pas de résultat. Et nous-mêmes, ça nous fait nous attendre et nous paguer leader conséquent, responsable, qui est capable de faire réflexion pour dire nous, mais qui ça pour nous faire pour nous sortir? Et c'est un gros problème. Même les intellectuels, ils n'ont pas pensé à nous-mêmes pour dire, mais non, en situation, mais ça pour nous faire. Ça seulement qu'a parlé, ils ont dit, et Marco Social est là, en décembre, l'année passée, et Premier ministre, mon gouvernement a dit, ils ont parlé en consensus pour le Conseil électoral provisoire. C'est ça seulement gagné. Donc, c'est ça seulement comme plainte de salut. Si ça n'a pas fait, le pays n'a pas bougé. Donc, mais qui résulte dans nous, à genoux. Donc, par rapport aux sanctions imposées à certaines personnalités haïtiennes, nous sommes capables de dire c'est une réponse de la communauté internationale aux politiciens et aux hommes d'affaires qui financent les gangs criminels et qui les utilisent dessein pour créer la sécurité et bloquer le régime en face. C'est bon, vous comprenez bien ce qui s'est passé. Ariel Henry et son gouvernement demandaient à la communauté internationale de Marco pour intervenir, pour aider à combattre gang, etc. Et comme réponse, au lieu que vous veniez avec une force armée, il faut nous voir ça. Débat fait aux Nations Unies toujours. Mais pays sanctionner des personnalités politiques et des membres du secteur privé, c'est comme si nous avions dit à défaut de forces étrangères là, mais ça nous commençait pas toujours comme décision. Je dis à me catégoriser sanctions ça pour m'éviter mélange de dossiers. Ce que d'ailleurs, les puissances n'ont pas encore fait, ou du moins, si on ne pas mettre le. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité, la possibilité de le faire, sans partisanerie. Comme nous sommes équipe qui est fanatique, le plus souvent, nous ne pouvons pas comprendre démarche critique, démarche intellectuelle, comme on a fait, de la chercher, comprendre le dossier. Donc, il est difficile pour évoluer mon pays côté ces fanatiques ou bien partisans capriés. Donc, non, père, mais nous-mêmes, nous obligés. Il y a une première catégorie. Dans cette catégorie, les noms des personnalités politiques sanctionnées, pour qui ça? Pour avoir menacé la paix et la sécurité internationale. OK? En Haïti, ils ont apporté un support financier et opérationnel aux gangs d'après le Canada. Et si tu me cites, je n'invente pas, je cite. Maintenant, qui moune que oui? Nous connaissons dans ce groupe, nous-mêmes, nous avons des marches. On fait des réflexions sensées sous le dossier. Tout le monde va comprendre ça. Première catégorie, ça, qui est sur eux?
lycée Michel-Joseph Martelly, ancien président de la République. Deuxième nom, deuxième personnalité, c'est Laurent Salvador Lamotte, ancien PM de Michel Martelly. Suis-moi bien. Troisième nom, c'est Jean-Henri Seyen, ancien premier ministre Jovenel. Jovenel choisi par Michel Martelly. Quatrième nom, c'est Garibodo, ancien président Chambre des députés. Et puis, monsieur, c'est Zami PHTK que lié, et c'est allié Michel Martelly que lié. Ça, vous comprenez ça. Maintenant, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, les noms des sénateurs sanctionnés pour importation de la drogue de la Colombie et du Venezuela pour exportation vers les États-Unis et la région caraïbéenne. Et ces gens menacent également la stabilité de la région. Imounioye, Joseph Lambert, actuel président du Sénat de la République. Youri Latortue, ex-sénateur et chef de parti. Ronnie Célestin, actuel sénateur du Centre. Hervé Foucan, ex-sénateur du Sud. Marco, regardez, vous vous êtes belle. Tout le monde sait à Mabdiya. Mon gars, pourquoi vous commencez par chier parce que vous parlez de ça. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième catégorie. Nous connaissons, nous voyons un peu ici, depuis c'est pas mal. Troisième catégorie, les noms des membres du secteur privé sanctionnés pour financement gang. C'est ça, il dit. Chérif Abdallah, Gilbert Bidjo et Renaud. Ça, c'est des mondes qui ont sanctionné. Quatrième catégorie, les noms des fonctionnaires accusés de corruption considérable pour avoir menacé l'intégrité de l'État haïtien dans le cadre de ses obligations douanières et de corruption massive. Romel Bel, ex-DG de la droite, et Ronnie Célestin, sénateur du Centre. C'est monsieur, et bien, dit, c'est tout le monde. On continue. De nèg sa yo, d'après sa yo fait qu'on est, yo fait l'État ici, il a parlé de ça, perdu 600 millions de dollars par an dans mauvaise gestion, contrebande, etc. dans la douane. Mais tout est rapide, et après, tout est rapide. Donc, on y a ma pété, on m'a fait mise en contact. Les conséquences. Et, ok? Sanction ça que Canada prend contre Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jean-Henri Seyen, Gary Baudot, et qui ça yo gagné comme conséquence? Tout comme nèg ça yo gagné au Canada bloqué. Tout bien yo gagné saisi. Aucun citoyen canadien pas qu'à faire affaire avec yo même. On me dit aucun citoyen canadien. Et ça Canada fait, les profiter pour élargir sanction contre l'autre personnalité que lui même il peut sanctionner. Parce que Amérique prend sanction contre des nègres qui il a estimé qu'il n'a pas. Donc, Canada élargit sanction ça sous Youri Lambert, Hervé Foucan et Ronnie Célestin. Donc, les gens sanctionnés par les États-Unis pour trafic de drogue, tout l'argent, il a gagné, il a saisi tout aux États-Unis. Et toute entreprise que vous faites partie, quand vous avez 50% plus eux, entreprise ça yo, continue à bloquer. Mais qu'on différence. Différence. Le Américain prend décision,
Là où c'est américain ou bien c'est résident aux États-Unis, Marco, enfin, faut la justice américaine prendre décision contre nous avant d'arriver dans la sanction sérieuse que n'a pas allé là. Par contre, pour le Canada, il est automatique. OK. Donc, aucun monde pas capable de faire transaction avec Mounsayo. Et tout le monde qui fait affaire avec, après, au fin sanctionné, il même tout, il a tombé dans le même régime sanction ça. Il dit donc, dans la gage paillot, pour le Canada, ces gens sont frappés par la loi contre la corruption, Corruption Act, et frappés également par la loi de Magnitsky. OK. Ne déplaise à certains gens que vous serez pour ou contre ces sanctions, que c'est monde qui proche ou bien pas proche, parce que nous-mêmes là, on dit, nous comptons 95% de monde de fonctionnaires, même si nous pas, mais des monde nous pas amis, mais nous connaissons, parce que c'est haïtien. Ouais. Donc, ça pour nous comprendre, il y a un régime politique qui est particulièrement visé par ces sanctions. On garde pour nous ensemble. Michel Joseph Martelly, candidat avéré, confirmé du PHTK, ancien président et major Jean, chef parti ça, même si c'est l'INE qui joue ce rôle, mais c'est le Michel, c'est Michel Martelly qui fait office de chef parti ça. Suivez-moi bien après. N'a réagi, moun ki gen pou pale a pale, mais fin de l'emna. Deux, Laurent Lamont, ex-premier ministre du PATK, supporter inconditionnel de Jovenel et de Martine, ok? Même s'il était lié à Martine dans le passé, etc. Mais monsieur, c'est ancien premier ministre, Michel Martelly, et son nègre, tout nègre qu'on est, qui tape bataille pour gang, contre gang, dans le pays d'Haïti, mais pas qu'on met l'imélol dans l'autre dossier, mais pour faire gang, nous sommes en Haïti, nous sommes comme ça. La preuve, on est qui est sous la famille, que nous-mêmes, qui connaît, qui tape évolué, n'importe où, presque un ami balai, monsieur était gourmé contre sous la famille, qui s'est proche Michel Martelly, pendant Michel Martelly était président. Donc, ils ont sanctionné Laurent Lamont, qui c'est major, ancien premier ministre PHTK. Toi, Garibodo, ancien allié du président Jovenel, ancien président de la Chambre des députés, dominé encore par la majorité du PHTK. Nous songez, c'est ça que fait Garibodo, président. C'est PHTK qui est dominé majorité dans la Chambre basse là. Donc, monsieur réputé comme Zami Michel Martelly, et met l'élu sous bannière bouclier, et nous dit bouclier. Donc, c'est un parti qui presque lié à PHTK. Tout le monde est comme ça. Continuez nous. 3, 4, Jean-Henri Séan. Ancien premier ministre Jovenel, choisi, dit-on, par Réginald Bolos, grand supporter, allié, conseiller de Michel Martelly et du PHTK. Michel Martelly, ok? Choisi. Michel Martelly choisi Jean-Henri Séan, qui c'est chef PHTK. Et Wony Célestin, PHTK et Zami Jean. Donc, ça veut dire, nous remarquons PHTK, Jean l'a tourné, vini tourné. Donc, nous devons attirer attention sur PHTK, Jean-Noël. 5. Joseph Lambert, ex-conseiller du président Michel Martelly, PHTK. Artisan de l'accord PEN. Ennemi public numéro 1. Proche de Michel Martelly. Très, très proche de Michel Martelly. Il évolue. Le PEN évolue
dans le même espace que le PHTK, parce que Pena PHTK a toujours la même position politique. Encore le PHTK. 6. Youri la tortue. Conseiller de Michel Martelly du PHTK. Artisan également de Pen, opposant farouche à Ariel Henry. Candidat, entre guillemets, déclaré tout le monde qu'on a payé à Youri candidat à la présidence. Leader incontesté de l'Antibonite ou des groupes sulfureux pour la loi. Son parti est dirigé aujourd'hui par une femme d'affaires richissime. Je ne vais pas citer non, parce que je ne vais pas me parler ça, je ne vais pas me parler là. OK? Mais parti à ça. 7. Ronnie Célestin, sénateur influent du PHTK. C'est pas compris, sur lequel des accusations persistantes de violation d'intégrité de l'État à travers la contrebande sont régulièrement évoquées, que ce soit à Port-au-Prince ou dans le département du sang, par notre sénateur Willow Joseph, lors des discussions qui étaient gagnées sous réseau, etc. Et c'est le premier monde qui parlait de l'affaire de drogue là, concernant Ronnie Célestin, c'est Willow qui parlait de ça. Parce que le pays, à mon humble avis, n'était jamais au courant ou informé de cette situation. C'est Ronnie qui parlait de ça avec États-Unis qui parlait de ça. C'est Willow qui parlait de ça avec États-Unis. Personne ne parle comme ça. Tout le monde connaît son homme d'affaires qui n'a contrebande, qui n'a pas ça, qui a bonne fin, qui a bonne ciment, etc. Qui a bonne business, qui a sécaille, qui fait déclaration, mais pas de monde qui te connaît, bagaille ça. Donc, je ne fais que répéter ce que le sénateur Willow avait évoqué et ce que les Américains ont écrit. Hervé Foucan, ex-sénateur du Sud, identifié par les États-Unis comme quelqu'un qui utilise son avion pour faire le trafic de la drogue. Et dit, OK? Sénateur influent du PHTK. Proche de Michel Martelly. Dernièrement, il contrôlait la peine. Il contrôlait la peine. On disait même, Marco, qu'il avait un bureau. Il avait un bureau dans la peine, etc. Donc, vous avez remarqué que le PHTK fait office de parti répété dans chaque caillou. Parce que ce sont le temps d'analyse que moi. Maintenant, nous allons citer les noms des membres du secteur privé. Reynoldi, réputé proche de Michel Martelly. Et c'est Nexa qui aidait pour parti politique qui parlait dans l'élection. Y compris les candidats, députés, sénateurs, tout est net. Je considère, monsieur, que c'est lui qui finançait 90% de élus en Haïti. Et tout nègre, dans le Parlement, ou 99% de monde dans le Parlement, monsieur qui est en contact avec tout, et tout qui est en contact avec. Que vous soyez candidat à la présidence, corrélé, ma cité noire, et tel et tel, candidate, corrélé, et tel, populaire, corrélé, candidat vert et jaune, extrêmement populaire. C'est cet homme qui investit et qui soutient tout le monde. Donc, il domine la politique en Haïti. C'est le plus grand influenceur politique de tous les temps en Haïti. Il a été sanctionné par le Canada. Sherif Abdallah, conseiller de Jovenel Moïse,
allié de Michel Martelly. Ami intime du coup présidentiel, homme d'affaires important. Zami BHTK. Gilbert Bidiot. C'est un homme excessivement, monsieur âgé, monsieur n'a 80 ans, gounier. Peut-être plus. Parce qu'on ne parle pas de son fils, on parle du père. On ne parle pas de Rouvel, on parle de Gilbert. Il est au crépuscule de sa vie. Monsieur présent, puisque c'est un homme d'affaires important, richissime. Il est présent dans tout régime, etc. Monsieur a un rapport et ramification avec tout le monde, y compris Michel Martelly. Monsieur a un investissement un peu partout, aux États-Unis, en Dominicanie, Jamaïque, en Haïti. OK? Monsieur a un pile gros bagage ici. Comme moi, pas cité business, l'autre n'est gagné en Haïti, nous pas cité business par monsieur tout. Donc, Nardesson, Romel Bel, ancien directeur général de la douane, petit fonctionnaire de la douane, modeste, très modeste, de la classe moyenne, devenu éminemment riche grâce selon Blanc. De Michel Martelly pendant le candidat à la présidence. Encore proche de Michel Martelly et PHTK. C'est lui accusé de massacre la Saline, etc. Blanc fonctionnait, sanctionnait le tout. Mais il semblerait que lui-même, le Haïtien, il ait une nationalité étrangère. Maintenant, avez-vous constaté, comme moi, que toutes les personnes sanctionnées sont liées d'une façon ou d'une autre avec l'ancien chef d'État, Joseph Michel Martelly? Est-ce que nous remarquons ça, m'a dit? Son analyse m'a fait pour nous, c'est pas moi qui a inventé ma foi analyse. Oui, non, pas d'accord, mais je suis pas d'accord avec l'autre argument. Donc, il faut croire que le PHTK est allié particulièrement Michel Martelly, il a pris des problèmes sérieux sur le plan politique. Parce que c'est parti ça, même, mon parti ça, mon capsule de parti ça, que Blanc visait dans la première sanction que vous avez. Je ne sais pas si vous avez finalement. Vous devez arriver là avec nous. Après ça, Marco Valdo, nous sommes capables de réagir. Il n'y a pas répondu. Si sanction ça n'est pas levé, aucun monde pas peut-être financé parti ça. Il n'y a rien comme tout. Il n'y a rien comme tout parce que c'est comme avocat. Aucun monde pas peut-être financé parti ça. Et si Michel, si on va lever sanction, Michel Martelly est candidat et que Haïti, nous en Haïti ne décide pas mal quand il y a CEP, CEP qui a décidé ça, pas de aucune entreprise qui a fait un chèque pour envoyer par PHTK, parce que si vous faites chèque ça, vous envoyez par PHTK, ils n'ont pas pris sanction contre l'entreprise à tout au niveau international. Donc, ce dilemme sérieux. Donc, force est de croire que Michel Martelly doit résoudre ce problème rapidement pour ne pas gagner influence politique, pour ne pas lui-même payer conséquences. L'autre que nous devons comprendre, donc, on continue avec. Donc, PHTK est en voie d'élimination politique si on ne résout le problème ça. Trudeau a frappé fort et section Sayo, Ligue doit avoir un impact au Canada. Sous popularité Trudeau qui a baissé, je ne sais pas si la popularité a remonté et peut-être décision ça que le prend. Mais toujours est-il, le dossier des Haïtiens est traité dans son cabinet des Haïtiens, des gens qui ont origine haïtienne, etc., et d'autres personnalités qui sont liées avec Haïti. Donc,
l'élimination du PHTK probablement favorisera automatiquement d'autres partis politiques. Bon, Benoît n'est pas d'accord. Si PHTK, pas d'élection, M. Madel, le président, mais il y a un autre parti qui va aller dans la deux. Si on va sanctionner. Si on va sanctionner, M. Madel, le deux. Notamment la famille Lavalade, la petite de la lune. Mais attention, attention. Attention. Concernant Petite Dessaline, le leader de Petite Dessaline, il prend sanction contre lui que le PACA allait aux États-Unis. Mais il ne prend pas sanction contre lui ni pour drogue, ni pour financement gang. Parce que si Blanc a pris sanction contre nous, et financer violence à mon cap. Propager la violence, etc. Gon bande moun ki nan afè Ariel la, y a pas de mettre nos soumises carrément parce que Nexa, c'est ça, on tape seulement. Souligner que m pa di, Nexa, on finance gang. Mais tout moun connaît, le qu'on a dit, moun yo al krasé, al misé. Donc, il faut pas mélanger la sanction. De côté, il y a les dealers de droit, et de l'autre côté, il y a ceux qui financent les gangs. Deux cas différents. Si vous voulez mélanger, ça ne fait pas. Mais c'est deux types de sanctions qui ne gagnent pas même bagaille pour vous. Une bagaille pour vous. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut le dire, il semblerait que le Canada ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Parce que dans l'article 8 et l'article 10, l'un est sanctionné au monde. Pas le droit pour la défendre tête li. Bravo, mm-hmm. Mais si vous n'avez pas de possibilité pour défendre tête ou, mais vous prenez sanction contre vous, donc c'est une violation. Donc les gens sanctionnés par le Canada, le PACA au Canada, certainement vous êtes capable de faire, vous êtes capable de prendre un cabinet d'avocats au Canada pour la défendre sans que vous-même vous n'êtes pas capable. Donc je me pose cette question. Concernant la déclaration des droits de l'homme. Parce que quand on sanctionne quelqu'un aux États-Unis, il y a une bonne possibilité pour défendre tête. Cependant, on ne peut pas parler tout petit de loi, ça qui est au Canada. Concernant la sanction, ça, la loi au Canada prévoit que je l'ai à voir maintenant. Il y a interdit maintenant pour venir au Canada. Et aucun monde ne peut pas faire affaire avec elle. Banque au Canada. Et yo quitte un close pour vous. Si vous avez un corps au Canada, vous pouvez retirer un corps pour payer un cabinet d'avocat. Ouais. Deux, si son diplomate ou vous avez un corps pour payer une mission diplomatique, vous avez quitté retirer un corps. Et si vous êtes prêté comme dans mon monde, il y a une bonne possibilité avec justification pour vous retirer comme ça pour payer au monde. Et qu'on clause dans la loi, ça, loi Canada, qui peut qui dit si vous avez une erreur sur le nom de la personne, vous n'avez pas écrit. Vous avez dit que vous avez trompé deux personnes, vous avez enquêté et puis vous avez retiré le nom. Deuxième cas, qui intéressait tout monsieur sanctionné, ou a écrit, ou a dénoncé sanction ça. Et c'est au même qui a décidé si a retiré non, ou bien si a maintenant, ou si quitté non. Donc, en Haïti, Marco, voilà ce qu'on a réalisé. Toutes les banques, même si c'est Sojé Bank qui prend décision, décision peut-être critiquée hein, par rapport au monde parce qu'ils ont mis dossier mon dehors, mais toutes banques sont obligées sanctionner, banque privée, surtout, obligé sanctionner, moins que Canada, États-Unis sanctionner, ou pas qu'à faire affaire avec eux, parce que banque, ça a des correspondants aux États-Unis, ils n'ont pas capable de perdre correspondant, parce que sinon, banque a fait faillite, il a bloqué banque. Donc, toute banque, ça a obligé de rentrer dans la même situation. Voilà une situation globale qui mettait nous-mêmes en difficulté.
pays en difficulté, parce que l'heure où sanctionner ou nègre, par exemple, ou Gilbert Bitio, qui gagnait des en pile transactions à faire à l'étranger, si on gèle les fonds de garantie que M. Gagnon, usine, monsieur, business, monsieur bloqué. Donc, au lieu, ça veut dire, en Haïti, comportement pour nous gagner, ce n'est pas un comportement de bac bravo. Ce comportement d'analyse pour nous garder pour nous, nous savons, est-ce que il n'y a pas de droit pour aller défendre tête. Et Samuel Madiste exprimé dans une note que FJKL publié, il dit, il faut un tribunal exceptionnel qui monte pour nous dire qu'on est capable de juger, pour aussi coupable, si on pas coupable. Mais nous n'avons pas joué. Mais là, nous prenons une décision contre nous, nous n'avons pas le droit pour défendre nous. Ou pas quand on est vraiment, si nous sommes coupable, si nous pas coupable. Donc, Jodia, nous devons faire distinguer ça pour nous montrer, ce n'est pas tout le monde qui n'a même pas nié. Moun ki nan drogue d'un côté, nan drogue et moun yo sanctionné pour question gang, yo nan financement gang. Mais gon bagay m vle souligner avant que Bay Marco Val et parle. Et ça m'a dit ya, m te dit déjà, mais m'a reprendre ni en termes de conclusion. Li presque impossible pour un nèg un business qui contigu, t'avais dit proche, Cité Soleil, La Saline, dans tout bloc, dans tout versant, bah, bon en main, à une fois. Marco, Val, si vous voulez, on dit, ce qui est possible, pour n'est que ça, pas voyer l'argent. By neg. Je reprends. Si blanc a point sanction contre neg cap by cop pour protéger position. Tout gros neg net a sanctionné et impliqué. La peine de samedi, protéger position. Guédec même, qui, Guédec par moi, que tout quitté là pour le bainer. Et Guédec qui obligé, by job, à des nègres qui dans le quartier populaire, pour yon ouais, by job, pour bandit pas venir attaquer parce que c'est famille presque qui dans le job, ça pour pas venir attaquer. Donc, il y a une. Il y a un rapport non prononcé. Et me avait dit non, ce n'est pas légal, non, on me dit à faire. Non prononcé de relation entre gang et même secteur privé. On a rappelé que Préval, c'est une commission même qui a travaillé sur ça, et c'est un monde qui n'a. Comment partie Préval là il est? L'espoir ou bien... L'espoir, unité ok, qui était occupé de gang même dans Cité Soleil. À preuve, je t'ai dit contact avec eux pour mener un palais pour venir parler. N'a pas rappelé que même secteur privé qui compte financer visiblement gang dans Cité Soleil. Gang qu'on divise en deux. D'un côté, bon même secteur privé qui a soutenu ton groupe et de l'autre côté, bon même secteur privé qui a soutenu l'autre. Donc, c'est une pratique en Haïti. Donc, si il y a des sanctions qui prennent pour les gens, qui aident des gangs, financer des gangs, même si l'autre n'est pas allé, moi, il est encore à Porte de la Paix, n'est-ce pas financé, travailleurs, les agents communautaires, les agents communautaires, etc. C'était du bluff. C'est une manière détournée de financer les. On doit dire, faut nous dire, tout ça qu'on dit, autre exemple, l'on a gagné 4 containers qui ont des marchandises qui vaut 1 million de dollars là-dedans.
bloqué par une équipe gang. Et puis, il a dit, non, il faut envoyer 50 000 $ américains, moi, ou 100 000 $ américains, moi. Les gars, vous voyez, là, yo, bal 4 conteneurs. C'est une pratique de l'obéir. De quoi on parle? C'est une pratique. Je ne dis pas que c'est une bonne pratique. C'est une pratique dans le pays. Donc, il faut cesser de financer les gangs. Mais il ne peut pas y avoir des cibles. Et pour les gangs dans les gangs. Et puis pour les gangs, il y a soutenu les gangs. Il y a soutenu. Parce que l'homme a un nez ou cob pour l'aider ou protéger le business ou. Comme ça, c'est les armes lancées, c'est une forme de financement que lié. Donc, aujourd'hui, les sanctions ont été prises contre ces gens, mais il y a des gens qui sont victimes par croisement, okay, par rapport à un parti politique, par rapport à croisement, il y a des bagailles qui louchent, et qui disent que tout c'est l'argent, il y a un mec qui fait, il y a victime. Ah, mais je vous avoue, hein, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de Jean-Henri Séan comme étant quelqu'un qui finance en Haïti, parce que là, je connais ce boudon, je connais Jean-Henri. Si je suis dans la gang, je connais. Je connais si Jean-Henri dans la gang. Je suis en Haïti, je vois que vous avez la mort à bataille contre tout le monde qui est dans la gang. Je suis là, je vois. Je n'ai pas la fin de dire ça, je vois. Donc, mais si on a des rapports à un nègre qui est dans le drogue, même si rapport, ça veut dire, nègre ensemble avant, ou après, nègre a fait le bouli, il y a sanctionné. Parce que justement, il y a un rapport avec ça. Il y a sanctionné par rapport comme si on ne parle avec la loi, le nom. Donc, on a évolué avec le nègre, il y a sanctionné. Michel Matéli. Comment Michel Matéli? Michel Matéli t'a pris un cobal. Bon, Michel Matéli pas parce qu'on verre bas ou un verre whisky pour ou sous sorti avec le fait. Quand Michel Matéli pas un grand cobal. Par contre, j'aime te dire, environnement Michel Matéli, il y a des rapports serrés avec la gang. Donc il y a déduit que c'est monsieur. Alors, pour finir, je dis, donc le PHTK est en difficulté. Ni les gars qui font campagne pour lui, gros sénateur en difficulté, président en difficulté, ancien premier ministre en difficulté, zami en difficulté, député en difficulté. Donc, c'est un qui a un problème aujourd'hui en matière politique. Et si on parle de 25 sanctions contre le président Michel Matéli, le PHTK n'aura pas de leader. Et l'espace sera ouvert à d'autres politiques et d'autres politiciens encore.